Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, Votre rubrique faire en partenariat avec le site The Turf. Alors, ce vendredi 29 juillet, pas mal de réunions hein, encore une fois, hein, comme tout l'été. Euh, beaucoup d'hippodromes sont ouverts et moi je suis parti en réunion 6. Hein, la réunion 1, ce sera celle du Quinté, une réunion très intéressante hein, sur l'hippodrome de Cabourg. Maintenant, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il y a une course euh, qui me plaît également tout particulièrement, qui sera à support de pic 5, mais également de The 5, chez notre partenaire, le prix de Saint-Césaire, comme vous le voyez, qui est prévu à 19h10, une course pour vieux chevaux, c'est la belle course de la Réunion, des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 321 000 euros, donc un bon niveau, un recul de 25 mètres, comme vous le voyez, à 171 000 euros, ils sont très au départ, bien entendu, 2925 mètres à parcourir, et il y aura un recul de 25 mètres à partir du numéro 8, dans cette compétition, j'ai retenu trois chevaux que je vais vous, je vais vous conseiller en E2 sur 4. C'est vrai que pour les plus téméraires, peut-être le tenter. En, en jumelé mais avant le coup euh, ils sont au deuxième poteau et je ne sais pas trop quelle va être la tactique euh, qu'ils vont employer en tout cas on va commencer dans l'ordre du programme avec le euh, numéro euh, 9 euh, fast domino euh, qui m'a vraiment beaucoup plu la dernière fois c'était l'une des courses références euh, dans laquelle euh, plusieurs concurrents ont couru comme euh, notamment euh, Eagle Eyes ou encore même Jambe Dorger que vous voyez qui terminait cinquième voilà longtemps à sein du peloton a conclu correctement et j'ai vraiment beaucoup aimé sa fin de course hein. pour moi c'était plus que correct euh, au niveau de la fin de course euh, le lot était bon, un hein, 55 bond euh, qui s'imposait devant son compagnon d'écurie déco euh, de Tilou. Euh, je pense vraiment que le lot était meilleur. Maintenant, euh, ils étaient tous au même poteau. Euh, là, il faudra qu'il rentre 25 mètres. Maintenant, euh, je, vous le voyez, Xavier Tellens qui a trois pensionnaires hein, dans cette course hein, le 3, le 4, et euh, donc ce numéro 9 qu'il confie une nouvelle fois à Gwen Juno. C'était déjà lui euh, qui était euh, au sulky la dernière fois. Je l'aime beaucoup, euh, vraiment. Euh, je trouve que c'est un 7 ans face à ses aînés. Euh, c'est euh, le deuxième 7 ans le plus riche et c'est vrai que Fakir Dura. Je fais sa rentrée donc lui euh, n'aura aucune, aucune ambition mais euh, Fast Domino qui sera plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs à mon avis euh, il va faire sa course et il devrait vraiment euh, lutter pour les premières places. Ensuite j'ai retenu le numéro 10 Eagle Eyes. Lui vient d'être disqualifié hein, dans la course référence euh, remportée par 55 Bond. Euh, il ne sera pas déféré maintenant. La dernière fois, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Euh, dès le départ, il est parti euh, au galop, au petit galop comme ça. Il n'était pas forcément à l'aise. Alors, est-ce que c'est l'effet d'avoir été déféré des quatre pieds Je ne sais pas. Mais il a récidivé euh, plusieurs fois dans le parcours. Il a fini par être disqualifié maintenant. Euh, sa ligne droite était vraiment très prometteuse. J'ai vraiment vu un cheval qui était en forme. Euh, J'ai vu qu'il avait un engagement euh, vers le 18 août, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement la, la date, mais en tout cas il est loin euh, du euh, recul euh, dans, la course, euh, dans la course en question. Là il va être ferré, euh, ça ne m'inquiète pas du tout, hein. c'est un cheval qui a déjà très bien fait euh, ainsi. Euh, voilà. Je vous l'ai dit la dernière fois, malgré la disqualification, j'ai trouvé que le cheval était en forme, c'est un super finisseur. Euh, le problème c'est ça va être quelle tactique de course va employer Nicolas Hench dans cette compétition. Euh, je ne sais pas trop, mais même s'il venait attendre pour venir finir, avec seulement sept concurrents au premier échelon, je pense qu'il est vraiment capable de rendre la distance et d'accrocher au moins une 3-4e place. Et enfin, le troisième cheval, ce sera le numéro 13, Djembe Dorger, qui vient de terminer cinquième de la course référence en devançant notamment Fast Domino. Je trouve que lui aussi découvre un engagement de choix. Il est déféré des quatre pieds. Je pense que le fait que ce soit un concurrent auquel on enlève ses fers, c'est un signe de confiance. David Becker, qui sera au sulky, le connaît parfaitement. C'est un cheval qui, la dernière fois en plus, n'a pas eu forcément le meilleur des parcours. Je pense que là, ça devrait peut-être mieux se passer, même s'il rend la distance. Il va peut-être un peu plus attendre. Et, euh, et venir placer sa pointe de vitesse, en tout cas, euh, je pense que lui aussi, au deuxième poteau, il a une belle carte à jouer. Hein. C'est vrai que l'opposition au premier poteau, avec notamment les deux euh, pensionnaires de Jean-Marie Roubault, le 2 stack et le 5 El Paso d'Ocagne, euh, ça, euh, ça peut être une belle opposition. Maintenant, je les trouve un ton en dessous, hein. même à 25 mètres, je pense qu'ils ne sont pas forcément euh, aussi bons. Euh, ils ne valent pas forcément 25 mètres que les trois concurrents qui me plaisent. Donc. Voilà, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est la tactique de course, en tout cas, c'est pour ça que je conseille un The 2 sur 4 dans cette compétition. Donc le pari du jour en réunion 6, course 1, le 9. Le 10 et le 13 à jouer en The 2 sur 4, cela coûtera 3 euros. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi. C'était du côté d'Anguin. Je vous indiquais un jumelé gagnant placé, 3 chevaux. et bien On a brisé l'écart gagnant, puisque le favori a gagné devant un des chevaux que je vous indiquais. Du coup, le jumelé gagnant placé qui a rapporté 8,60 gagnants et 4 placés. Vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. Pour 6 euros d'engagé, on repartait avec 12,60 euros. Donc voilà, on doublait la mise c'est vraiment une belle performance en tout cas voilà pour le jeu que je vous indiquais. Euh, ce mercredi vous le savez hein, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr euh, comme je vous le rappelle assez souvent vous avez jusqu'à 250 euros d'offert euh, par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà n'hésitez pas à en profiter en venant directement sur notre site, cliquez sur les différents liens ou euh, tout simplement nous contactant via les réseaux sociaux ou alors tout simplement cette vidéo moi je vous remercie euh, de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette édition de un jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Euh, bonne journée à tous et je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Bye bye.